Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo. C'est un haul, un big haul Mango Athlete. Ces derniers temps, on a fait du shopping et on voulait vous faire profiter d'un super bon plan Mango Outlet. Voilà, le super bon plan, c'est que c'est vraiment à des prix cassés. On s'est fait vraiment plaisir sur ce site et on avait vraiment envie de vous faire profiter de ce petit bon plan. Non, c'est pas un petit bon plan, c'est un gros bon plan. C'est vraiment super intéressant et vous faire profiter de notre shopping. Donc vous connaissez les prix de Mango. C'est de la bonne qualité, mais c'est un peu cher. Donc pour toutes celles qui ont un petit budget et qui veulent vraiment se faire plaisir, donc il y a Mango Outlet. On commence avec un petit haut, donc ce top lamé, manche courte, donc il est vraiment bien, c'est vraiment dans la tendance, les hauts lamés, les hauts qui brillent, les hauts dorés, enfin les hauts qui envoient du lourd, qui brillent, des hauts super voyants, mais qui sont vraiment dans la tendance et aussi faciles à porter. Donc ce petit haut, on va pouvoir le mettre avec un jean, une jupe, des tenues qui sont on va dire basiques, mais ce petit haut ça va vraiment réveiller la tenue, ça va donner un petit peu de peps, un peu de punch à la tenue. Donc ce haut vraiment il est super sympa et il nous a pas coûté cher. Ouais, quand on fait le comparatif des prix, alors donc ce top lamé à la base il était à 39,99€. Soldé sur le site de Mango Outlet, 9,99€. Donc c'est vraiment le super bon plan. C'est le bon plan. C'est vraiment l'occasion en allant sur Mango Outlet d'avoir des fringues tendance, de qualité et pas cher. Voilà. Un haut comme ça, 40€, bon c'est pas et c'est excessivement cher en soi, mais quand même, 40€ plus encore 30€ plus machin. Voilà. Donc après ça fait beaucoup. Un gros budget et tandis que là à 9,99€, voilà, on prend pas de risque. Chaîne pareil avec une petite jupe. Donc là aussi c'est la petite jupe lamée qui va avec le petit haut. Vous pouvez faire l'ensemble. Soit on peut faire l'ensemble. Si vous êtes audacieuse, vous faites l'ensemble. Et là, ça, vraiment, ça donne un style un peu disco, un peu années 70, un peu funky. Donc, quand on a vu ces hauts lamés, enfin ce top et puis cette petite jupette, on s'est dit que ça changeait un peu de l'ordinaire, ça changeait un petit peu des couleurs plus ou moins basiques. Ouais, voilà. Avec les beaux jours, ça change la donne. C'est plus audacieux. Et là, cette petite jupe, elle est pas trop courte ni trop longue. Elle arrive vraiment pile poil là où il faut. Pour le coup, la jupe, avant, elle coûtait 29,99€. Et sur le site Mango Outlet, on l'a eu à 7,99€. Ah ouais, là c'est vraiment... Ça vous fait un ensemble à même pas 20€. Voilà, en 1€, deux belles pièces pour avoir du style, être bien habillée, sympa et tout. Franchement, c'est le bon plan. C'est le bon plan, Mango Outlet. On continue dans la même veine. Hein, avec cette petite jupe. Alors cette petite jupe sympathique avec des sequins. Alors c'est vraiment... J'ai flashé dessus. C'est une jupe que je cherchais depuis X temps mais que je n'arrivais pas à trouver. Un super beau modèle avec les petits sequins, j'adore la couleur, vraiment... un peu gris, métallisé, super beau. Et en plus, il y a une petite fente, la jupe fourreau en fait. Voilà, la jupe fourreau qui est vraiment super belle, avec une bonne longueur parce qu'elle arrive sous le genou. Bien coupée, bien taillée. Et ça donne vraiment une allure. C'est le côté glamour. Glamour, assez glitter à 80. C'est vraiment ce que j'aime. Très belle jupe, franchement, qui vous donne un corps à tomber. Franchement, super sympa. Et ce qui est bien, c'est que vraiment cette jupe-là, moi, je veux la décaler. Oui. C'est que je veux pas la porter comme... Je peux la porter premier degré pour aller en soirée, très fête. Mais moi, je veux la porter en journée. Donc en journée, je veux la mettre avec un t-shirt,
avec un sweat, avec un jean, même une veste en jean, voilà, même un pull en laine. Un pull en laine, quelque chose qui va en fait mettre un contraste. Voilà. Qui va apporter un contraste, qui va casser le côté glamour, voilà, paillettes, un peu sexy, un peu habillé, en voilà, fait, le côté très habillé de la jupe. Et moi, je vais vraiment la porter en journée, bah, justement avec un t-shirt blanc, des sneakers. Ouais. Une petite pochette, et ça c'est le petit look de printemps, le look estival super sympa. Oui. Donc même au bureau, hein, on peut tenter le coup. Hein. Pour une soirée after work, ouais, voilà. Voilà, où on va à un événement un peu plus décalé, moins guindé, bah, fait aller avec ce style de jupe. Voilà, ce style de jupe avec des baskets, un t-shirt ou des escarpins, et un sweat. Donc en toute occasion, on peut porter cette jupe. Voilà, c'est vraiment la petite jupe. Essayez, tentez, vous allez voir que franchement, c'est la petite jupe qui donne du style à votre garde-robe. Ouais, et pour le prix. Donc cette petite jupe, voilà, jupe sequin à argent, elle était quand même à 45,99€. C'est quasi 50€. Voilà, une petite jupe à 50€, c'est pas excessivement cher. Mais quand vous voulez vraiment renouveler un peu votre garde-robe et tout, donc ça fait quand même, ça commence à faire un budget. Parce que si on additionne 45€ plus 39,99€ et 29,99€, ça commence à monter. Voilà. Alors là, elle était à 45,99€. Et je l'ai eu à, tenez-vous bien, je l'ai pas eu à 30, ni à 20, ni à 20, ni à 15, ni à 10, je l'ai eu pour 9,99€. Franchement, à ce prix-là, Là, on s'est fait plaisir, hein, franchement, on avait besoin de donner un petit coup de fouet à notre garde-robe, on voulait un peu la renouveler, ajouter des pièces un peu... qui sortent de l'ordinaire, voilà, qui sortent de la petite jupe noire, toute tranquille, toute simple. Et là, vraiment, avec cette petite jupette, on est au top. Et croyez-nous, les petits looks qu'on va pouvoir créer avec tout ça, donc on a hâte de pouvoir faire des petits hauls, enfin pas des hauls, des lookbooks plutôt. Des lookbooks, des looks sur le blog, donc on a hâte de vous montrer tout ça. Voilà, comment nous allons associer tout ça. Donc on continue, mais cette fois dans la tendance gold, avec cette petite jupe dorée. Cette petite jupe, je l'ai trouvée super mignonne, super craquante. Petite mini, hein. Voilà, mais sur le coup... Mini, hein. Sur le coup, sur le site, ça me paraissait un peu court. Et franchement, quand je l'ai commandée, qu'elle est arrivée, au final, elle est ni trop... Au final, elle est sympa. Elle est super sympa. Moi, je doutais un peu, je disais, ah ouais, quand même. C'est court, mais non. Elle tombe super bien, elle a une super belle coupe et la couleur belle matière, belle matière, hein. Ça fait un souple, peu hein. C'est comme si c'était un jean enduit un petit peu mais couleur dorée. Donc on a vraiment doux, le côté stylé de la forme de la jupe, hein, qui me fait penser à une jupe en jean, hein. C'est un petit peu la même coupe avec des passants, voilà, peut mettre une ceinture, il y a les petites poches derrière, donc c'est quand même assez structuré, il y a la petite poche ici qui rappelle le côté jean. Donc super sympa. Donc la couleur, c'est ça qui m'a fait vraiment craquer, parce que bon, des mini, des petites jupes courtes ou des petites jupes en jean, on peut en trouver partout. Je voulais vraiment quelque chose de punchy, de décalé et de super tendance. Et la petite jupe dorée, je me suis dit que ça pouvait être un bon compromis. Le craquage. Le craquage, voilà. Mais c'est bien, hein. Franchement, il faut oser. Au départ, c'était là, ça change de l'ordinaire. Parce que moi, au départ, j'étais là, ouais, mais bon, tu vas mettre ça où et tout. Mais et ben, voilà. C'est un peu court aussi, hein. On peut la mettre partout. Elle peut être décalée, pareil, avec des baskets, un t-shirt, une chemise en jean ou même un sweat. Ou une chemise blanche, hein, pour le côté vraiment élégant. Ou alors tout de suite, on peut y mettre des talons. Si on veut vraiment mettre des talons qui sont quand même assez osés, faut calmer le jeu avec ce qu'on porte en haut. Voilà, dans ce cas-là, ce sera vraiment un haut très simple, un t-shirt ou une chemise, mais vraiment basique. Basique, simple. Pour contraster avec la hauteur des talons et puis la... Le fait que la jupe soit courte. Hein. Ouais, moi je le vois bien avec un petit pull oversize. Que je me suis dit, pour cet hiver, elle peut être aussi recyclée avec un gros pull en laine, maille irlandaise, etc. La petite jupe. Et on peut tout de suite l'associer soit avec des bottes ou soit des bottines. Des cuissards même. Hein. Ou même des cuissards. Alors,
pas trop haute. Pas trop haut les talons, parce que la cuissarde c'est quand même assez... assez dangereux quand même. Faut dangereux. Faire attention. Ouais. Mais voilà, donc on peut faire pas mal d'associations. Mmh. Le côté vraiment doré, le côté sympathique, funky. J'ai trouvé ça super sympa et pouvoir faire pas mal de looks avec cette petite jupe. Pour un montant de... Et oui, pour un montant de... Donc c'était 25,99€. Et sur le site de Mango Outlet, donc je l'ai eu à 9,99€. Donc voilà, c'est une jupe tendance pour 10€, bien coupée, d'une marque sympathique. Mmh. Voilà, franchement, voilà. On se fait plaisir. On se fait plaisir, donc il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. On continue dans la mouvance avec ce pantalon. Alors, craquage total, magnifique. Avec vraiment, vous voyez là les fils dorés. Les fils dorés. Ah mince. Pantalon large, pas de def. Esprit années 80, 70. Avec franchement, il est taille haute. Il est fluide. Il a une belle coupe. Il a une belle coupe. On est vraiment, on est vraiment bien dedans. Et il est très léger. Hein. Très, très, très léger. Ça, c'est vraiment le petit pantalon d'été. Voilà, printemps, été. Et vraiment, je vais pouvoir m'éclater avec ce pantalon. Allez, un after work hein, avec ça. Moi, je m'imagine bien aller dans un after work, en sortie avec les copines. Au resto, je sais pas, une galerie d'art, ouais, une expo. Une expo, voilà, il est vraiment bien. Il fait très soirée quand même. Très chic. Il fait très chic, très glamour. Ouais, très habillé. Alors, bon, je pense que c'est un pantalon que je vais vraiment mettre pour le soir. Après avoir en journée, hein, je pense qu'il peut être aussi décalé. Mais c'est plus un pantalon du soir. Voilà. Puis comme il est très long, on est obligé de mettre avec des hauts talons. Obligatoirement avec 65. Et le pantalon quand même, il traîne un peu par terre, donc... Oui, il me faut des petits talons, enfin 10 cm au moins. Voilà. Talon obligatoire avec ce pantalon. On peut jouer aussi sur le côté élégant et on peut aussi décaler, décaler la tenue avec des basiques en haut. Oui, toujours une veste vraiment très chic, veste élégante. Très chic, élégante. Un simple t-shirt. Un simple t-shirt, hein, et ça le fait. Hein, ouais. Donc, avec des petites sandalettes à talons hauts et c'est parti. Et c'est parti, une petite pochette et voilà, c'est le look est fait. Le look est fait. C'est le pantalon qui donne vraiment la touche, la tonalité. Ouais. Et il est belle coupe, voilà. Belle matière. Super élégant et élégant. Pas cher du tout. Pas cher, pas cher. Nous on aime le pas cher. Donc le pantalon doré. Ah ouais, attends, il était à 50€. 49,99€ quand même à la base. Et je l'ai eu à... Alors tenez-vous bien. C'est pas 30€. C'est ni 20€. C'est ni 15. C'est ni 15. C'est ni 10€. Oui, encore moins. Encore moins. Non, trouve pas. Attends, trouve pas. 5,99€. Non mais là, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible de passer à côté. À côté. Au départ, j'hésitais parce que je me disais ah ouais, pantalon comme ça, ça va être difficile à porter. Ouais. C'est, enfin les trucs comme ça un peu dorés, lamés, j'en avais pas beaucoup dans mon armoire. Je me disais ah ouais, c'est le moment de quand même de changer un peu. Ouais. Et voilà, je me dis allez, je le prends. Il y a pas de risque. Au pire des cas, s'il m'allait pas, tu renvoies. Hein, on renvoie. C'est pas. Il n'y a pas mort d'homme et franchement je suis contente de cet achat. Un pantalon sympathique de qualité à 5,99€, franchement, voilà, qui dit mieux. Ah ouais là, c'est pas possible. C'est pas possible hein. Donc je me suis fait plaisir hein, et je suis très contente de cet achat. On continue cette fois avec un petit haut et là. Ah là ça brille hein. Ah voilà. Donc oui, alors là on vous en met plein les yeux. Sur le site Mango Outlet, ce qui nous a vraiment frappé les yeux, c'est tout ce qui était doré, glitter. Donc là, ce petit haut, il est vraiment super sympa. Sur ce haut, on y retrouve l'encolure avec la matière du sweat. Et on la retrouve aussi ici au niveau des manches. Ce qui m'a vraiment plu dans ce haut, c'est que bah, déjà c'est des sequins qui brillent. Moi j'aime bien un peu tout ce qui est un peu bling bling. C'est le bling bling chic on va dire. Ça reste quand même élégant. C'est élégant, c'est pas vulgaire, c'est de la belle paillette. C'est de la bonne qualité en fait. Beau sequin. Parce que quand on veut être avec des matières un peu comme ça, un peu glitter, un peu sequin brillant, dès que c'est de mauvaise qualité, ça fait vraiment. Ça fait cheap. Voilà. Et là, au lieu d'être chic, on devient cheap.
Donc là, c'est... Là, on est chic. C'est pas du tout ce qu'on voulait. Là, on est chic en paillettes. Donc là, on est chic avec des paillettes. Ouais. C'est un petit haut que je vais pouvoir mettre avec du jean, faire des tenues simples mais efficaces. Donc, je vais pouvoir porter ce haut avec un jean boyfriend et des talons. Et là, le look, voilà, il est fait. Il est fait. Le mettre pour aller bosser, hein. Si vous êtes quelqu'un qui bosse dans la mode, là-dessus, il n'y a vraiment pas de contraintes. Dans des boulots moins stricts, ou dans des boulots moins stricts, hein. C'est sûr, pour aller au bureau, bosser à la banque ou quoi. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Mais essayez, hein. Rien n'empêche. Il faut mettre des paillettes dans sa vie, hein. On décale la tenue avec du jean, on met des talons, on peut mettre tout à fait des chaussures plates, des sneakers, des baskets. Et là, franchement, le look, il est fait parce que c'est le haut qui fait tout. Qui fait tout. Et ouais. Il y a aussi son acolyte. Voilà. Il y a sa petite sœur. Hein. Elle a franchement la jupe à sequins. C'est nickel. C'est, oui. Vous mélangez les deux ensemble, c'est... Pourquoi pas, oui. Ah non, là, c'est génial. Pour la soirée, voilà, vous allez soirée du Nouvel An ou une vraie soirée. Pas obligé d'être qu'au Nouvel An, hein. Oui, mais ça peut être anniversaire. Anniversaire, vous voulez briller de mille feux. Mariage, c'est vous la star. Ah, voilà. Bon, après la mariée. Voilà. On peut pas demander à la mariée. Je parlais plutôt, voilà, pour quand c'est un événement que vous organisez, c'est votre anniversaire. Oui, voilà. Voilà, vous avez envie de briller de mille feux. Tenue, voilà, un haut... à paillettes, sequins, avec la jupe qui va avec, là, on voit que vous. Voilà. C'est vraiment la petite jupe, là, c'est portefeuille. Hein. Voilà. C'est vraiment, il y a du détail, hein. C'est super. Elle a une belle longueur. Belle longueur, élégante. Donc, on reste dans cette tendance très glamour. Très glamour, très habillée. Très habillée. Donc ça, franchement, ça, on aime. On aime. Et pour des prix qui défient toute concurrence. Voilà. Le prix super important, donc alors voilà, la jupe sequin or, ah oui, elle était à 49,99€. Ah, 50€. Et sur le site de Mango Outlet, on l'a eu à 9,99€. Ouais, là, donc franchement, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas cher, même plus que pas cher. Ouais. Hein. Et pareil pour le top à sequin. Il était affiché à 35,99€ et aujourd'hui vous pouvez l'avoir à 9,99€. Donc là, ça fait 20€ l'ensemble. C'est 20€ un petit ensemble comme ça de chez Mango. Et avec ça, vous pouvez vous faire au moins minimum 4 tenues, ah oui, 4 non, looks. Vous pouvez faire différentes associations. Donc back to basic, hein. Quand même. Hein. On va pas toujours mettre des paillettes. Voilà. Hein. Donc pour ce jean. Alors ça, c'est vraiment un jean ultra taille haute. Oui. C'est vraiment un esprit un peu japonais, ultra minimaliste. Voilà. Ultra bien coupé, structuré, une coupe droite. Là, on est vraiment sur du pantalon large, court. Et c'est ça qui va donner, qui va structurer un peu la silhouette. Le look, la silhouette, parce que là, c'est super taille haute. Et on a cet effet un peu, un effet, c'est pas commun en fait. Ouais. Hein. C'est pas commun, c'est pas juste le pantalon taille haute, vous mettez cette taille haute, mais il y a un effet comme ça. Il y a un effet sur la taille. Il y a un effet sur la taille, c'est soit vous pouvez un petit peu plier. Un petit jeu quand même au niveau de la taille. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Mmh. Et c'est bien d'avoir des pantalons comme ça qui sont ultra simples. Ultra simples, bien structurés. Bien structurés, ouais. Bien coupés. Vous pourrez le mettre soit avec des baskets, avec un look un peu plus streetwear. Ou alors vraiment le côté minimaliste, plutôt, chic, voilà, sophistiqué. Sophistiqué avec des talons, oui, une belle veste, un beau blazer. Un beau blazer, un petit t-shirt tout simple. Voilà, un haut en soie très chic. Ouais. Ce petit basique là, il n'a pas coûté cher. Ah oui, il n'a pas coûté cher. Hein, donc ce pantalon. Jean. Voilà. Jean le jean, il était à 49,99€. On continue avec une autre forme de basique. La robe nuisette. Ouais. Alors attention, effectivement, elle peut faire peur comme ça. On ne sort pas
de chez soi, simplement vêtue de sa petite misette. Non, non, non. Là, je sais pas pour celles qui ont notre âge et qui vont souvenir, voilà, les années 90. Quand la tendance des robes, des petites robes bretelles, en soie, à fines bretelles, vous avez dû certainement mettre avec un petit t-shirt blanc. Voilà. Cette robe nuisette, voilà, on la met pas comme ça au premier degré. Il faut l'habiller, il faut la structurer. Donc, comme disait Nadine, on y met. Donc, on commence par un t-shirt blanc tout simple. Par dessus, on met la robe à fines bretelles. On complète ça avec un jean court qui arrive juste au-dessus des chevilles. On peut éventuellement remettre un blazer par-dessus. Et des escarpins. Des escarpins. Et nickel. Ça y est, votre look, il est fait. C'est vraiment la tendance en ce moment, des robes voilà, nuisettes, en soie, petit caraco, avec un joli décolleté, avec de la dentelle. C'est élégant. C'est élégant parce que j'ai pas pris le modèle tout noir basique. Parce que là, on a les rayures de la robe qui donnent encore en plus qui accentue le côté, voilà, le côté élégant, chic et élégant, la petite dentelle qui va bien au-dessus de la poitrine et qui finit aussi sur le bas de la robe. Trouvée très légère, très vaporeuse, vraiment très très sympa pour l'été. On peut faire vraiment des looks simples mais efficaces. Et autant cette petite robe, on peut l'accessoiriser donc l'été, mais aussi on peut la recycler aussi l'hiver. Hein. L'hiver, parce qu'au lieu de mettre un t-shirt, dans ces cas-là, on va mettre plus le col roulé, mais en maille assez fine, en laine, donc ou des manches longues. Et pareil, on remet le combo, donc là, le blazer, le jean, et puis là, à ce moment-là, on mettra des bottines, ouais, des boots. Ou des baskets aussi. Oui, hein. Des baskets aussi. Hein. Et par-dessus, on peut rajouter encore un manteau. Moi, j'ai trouvé ça super élégant. Super chic, ça vous donne un côté sexy mais pas vulgaire. Mm-mm. Parce que voilà, si vous sortez comme ça avec la petite nuisette et vous partez dans la rue comme ça, non, là il n'y a pas de look, on va croire que vous n'avez pas, il y a eu un problème. Mais il ne faut pas la porter premier degré, hein, juste comme ça en partant, on met son soutien et on part. Non, là il faut vraiment habiller cette petite robe, hein, donc comme on l'a dit, avec un t-shirt, une veste, on met un jean par-dessus, en dessous, ou même un pantalon large. Mm-hmm. Faire vraiment des associations qui peuvent paraître audacieuses. Et en même temps, tu crées des couches. Voilà. C'est que voilà, c'est une petite robe qui est quand même assez très vaporeuse. Hein. Voilà, c'est donc c'est quand même assez léger. Mm. Alors peut-être pour celles qui n'auraient peut-être pas envie de mettre un t-shirt, elles peuvent mettre juste le blazer, voilà. Mais il faut quand même habiller, on sort pas avec la petite nuisette comme voilà, ça, comme ça. Donc faut vraiment finaliser le look, voilà. Structurer, c'est ça qui va donner style et vous donner un style à proprement dit. Donc ça dans la même mouvance avec le petit caraco, donc pareil, vraiment, il est vraiment la super, couleur elle est magnifique, la couleur vraiment qui va bien au teint même, mais c'est mais il y a du détail élégant, ouais, s'il y a la dentelle, il y a les bretelles, très léger, très vaporeux. Vous mettez le caraco plus le blazer, voilà. Un blazer vraiment simple, noir. Alors avec le petit caraco, la dentelle, ça va vraiment apporter le côté chic. Un jean, voilà. Des baskets ou alors des escarpins, des derbies, des sandales. On peut tout mettre. On peut tout mettre avec, hein, voilà. Tous les styles. Mmh. Vous pouvez avoir tous les styles avec justement. Avec voilà, ce petit haut. Le mot d'ordre, c'est vraiment de le porter avec élégance. Chic, pas de sexy vulgaire, où on laisse tout sortir comme ça. Des années 90, parce que oui. Nous on l'a porté aussi. Nous on l'a porté hein, quand donné, on était plus jeune. Quand on était plus jeune. On est toujours jeune, mais voilà, on était plus jeune. C'était vraiment la tendance. Et c'était super sympa. Et on est quand même étonnés que ça revienne ça comme revient, ça. Mais la mode, c'est vraiment un éternel recommencement. Donc c'est sympa. Pour celles qui étaient trop jeunes ou qui n'ont pas porté cette tendance, et ben voilà, c'est le moment de se venger, de se rattraper. En les portant aujourd'hui, voilà. Au goût du jour, à la sauce 2017. Voilà. Et surtout, c'est la qualité en fait, voilà. Aussi du vêtement. Du vêtement. Parce que moins c'est cher, moins il y a la qualité en fait. Donc du coup, il faut vraiment essayer de prendre quelque chose de qualité, pas mettre non plus des milliers.
des mini-dessins, mais s'attacher à prendre quelque chose de qualité, qualitatif. Donc, voilà. Donc voilà, il y a Mango. Il y a Mango Athlète. Donc il n'y a plus de raison de dire non, mais j'ai pas de sous, c'est trop cher. Je peux pas m'habiller qualité, c'est trop cher. Bah non, là il y a Mango Athlète. Mango, c'est des vêtements qui sont de qualité. Au niveau des vêtements, donc le haut à fine bretelle à la base, il était quand même. Donc, petit caraco comme ça à 25,99€ à la base. Pas non plus excessivement cher. Mais voilà, ça commence à alourdir le budget quand même. Hein. Mm-hmm. Et on a pu l'avoir à 9,99€. Voilà, 9,99€. C'est quand même pas négligeable. Sinon, au niveau de la robe à fine bretelle, pareil, hein, elle était à 29,99€. Et sur le site, on a pu l'avoir à 15,99€. Donc c'est des prix, Prix qui restent abordables, qui sont très très bien. On continue avec encore des basiques. Alors on continue avec des basiques. Donc pour le coup, j'ai eu un craquage complet sur cette petite jupe qui est vraiment d'une élégance folle. Cette petite jupe portefeuille avec le détail aussi, le petit nœud là. Voilà, portefeuille pour la petite ceinture. Elle est vraiment super élégante. Moi j'avais plus de jupe comme ça portefeuille et je trouve ça tellement élégant ce style de jupe. Un côté chic. C'est chic, c'est structuré, c'est épuré, il n'y a pas de chichi, ça va droit au but et ça donne de l'élégance. Alors cette jupe là, elle n'est pas en cuir. Mais j'ai trouvé que la matière était quand même de qualité, c'est du simili-cuir. Ouais. Donc ça fait pas faux. Hein. Ouais, non, on n'est pas du tout dans un truc fake, tout cheap, qui brille, tout pas beau. Là, il y a quand même un effet mat. Hein. Aussi, donc c'est une couleur qui est. C'est du marron un peu olive, j'ai l'impression. Oui, marron foncé. Marron foncé. Mmh. Donc une couleur sobre, des lignes sobres. Voilà, sur une voiture. Des lignes sobres et élégantes. Mais c'est ça, des lignes sobres et élégantes. C'est franchement des coupes droites, linéaires. Bon, bref. Donc, voilà, c'est très simple. Très simple. Mais c'est efficace. C'est vraiment une jupe et là, pour pouvoir être au bureau. Tout si de vous suite. Voulez faire en mode ultra working girl, voilà. Chemise blanche, cette petite jupe. Des escarpins, un blazer. Alors vous êtes ultra élégante pour aller bosser. Ultra pro, ultra tout ce que vous voulez. Donc c'est élégant. Voilà. C'est élégant. Donc on peut aussi le décaler avec un côté un peu plus sportwear. Voilà. Même ferrer un pull blanc. Un pull blanc, ouais. La jupe et des sneakers blancs. Oui, voilà. Style Stan Smith pour aller. Même au bureau. Oui, au bureau aussi. En après-midi shopping. Voilà. Même avec des derbies, hein, pour celles qui n'aiment pas trop mettre des talons. Les derbies aussi, c'est vraiment très bien. Pour les baskets, dans ces cas-là, des chaussures plates, type derbies, ouais. Ouais, pas de ballerines. Non. Non, là, ça peut un peu trop m'aimer. Ouais, on va éviter les ballerines. Non, pas les ballerines. Pour ce coup-là, non, pas de ballerines. Voilà. Chaussures plates, ok. Mais des derbies ou des baskets. Et bien évidemment, les escarpins, les sandales, tout ce que vous voulez. Moi perso, je mettrais pas avec des bottes. Non. Parce que la jupe est assez longue, donc ça va un peu alourdir, étasser. Il faut vraiment voir des bottines. Voilà, il faut aérer la tenue avec des bottines ou des choses qui arrivent vraiment en dessous de la cheville, des low boots, des choses comme ça. Donc une jupe super sympathique qui m'a pas coûté cher. Ah oui, alors pour le coup. Alors, la jupe portefeuille, elle était à 35,99€ et je l'ai eue à 17,99€. Donc, C'est vraiment abordable. C'est vraiment abordable et de qualité. Donc, même si c'est pas du cuir, hein, moi, ça m'a pas dérangé. C'est vraiment la petite jupe sympathique. On continue avec un autre modèle et cette fois-ci, on va vous montrer une salopette. Combinaison. Voilà, c'est plutôt une combinaison. Moi, ce que je trouvais sympa dans cette combinaison, justement, c'est que ça change. C'est une pièce qui est vraiment simple et surtout qui est efficace. Parce que là, tout est sur une pièce. Voilà, et les combinaisons, les salopettes. Combinaisons, salopettes. On se prend pas la tête. Hein. Voilà, on se prend pas la tête. Mauvais jeu de mots. Non, mais sérieusement, on se prend pas la tête. Tout s'est fait. Et c'est une pièce. C'est le haut, c'est le bas intégré en même temps. Donc voilà. Il n'y a pas besoin de se dire, ah oui, avec moi je vais l'associer, avec machin. Et là, c'est simple.
Ce que j'ai aimé moi aussi dans cette tenue, donc c'est la couleur, hein, le kaki qui revient toujours, hein, kaki c'est vraiment la couleur intemporelle, tous les ans vous sortez du kaki, vous serez jamais hors sujet. Et donc cette couleur qui était, voilà, que je trouve très élégante, hein, sobre, élégant. Voilà. Sur cette combinaison, donc on a des poches. On a toute une rangée, voilà, de boutons. Le col est haut, c'est le col un peu mao pour celles qui connaissent, voilà. Et voilà. Et il y a la ceinture, donc une ceinture élastique derrière, et on a aussi une vraie ceinture, voilà, pour marquer la taille, hein, pour la rendre un petit peu plus féminine cette combinaison. Et ce que j'avais aimé aussi, c'est le côté court, parce que on a une combinaison, voilà, qui a des jambes larges. Et elle arrive au-dessus de la cheville, dans le côté cropped, le côté 7/8. Les lignes sont simples mais efficaces. Et avec cette combinaison, autant je peux la mettre pour aller bosser, donc au bureau, avec une paire d'escarpins, un petit blazer par-dessus, mon des sac derbies. À main, le look il est fait. Je peux très bien mettre des derbies ou partir simplement avec... la combinaison, hein. Et la simplicité de cette pièce, en fait, c'est ça qui m'a plu. Et en plus, ce que j'ai aimé aussi, c'est que je peux recycler cette tenue l'hiver. Voilà, l'hiver avec une paire de collants. Voilà, je peux y mettre des collants. En dessous, bah, je peux mettre un haut à manches longues ou un petit pull fin en laine avec un col roulé ou un col rond. Donc, la combi, ça peut avoir ses inconvénients parce que bon. Quand t'as une envie d'aller aux toilettes, donc bon. Il faut préparer son coup quand même. Ça peut être un peu, voilà. Non mais celle-là, elle n'est pas trop casse-tête. Mais elle n'est pas casse-tête. Mais voilà, voilà, après il faut prévoir le coup. Voilà, hein, faut pas attendre la dernière minute pour aller aux toilettes. Voilà, c'est ça. C'est intéressant tout ce qui est combinaison salopette, c'est que c'est une seule pièce, donc on va pas se prendre la tête. Oui, c'est compliqué, il n'y a pas besoin de faire des associations. La combinaison, c'est comme pour la robe en fait, c'est la, même chose. C'est la même chose. La robe, vous l'enfilez et c'est parti. Bah, la combinaison, c'est pareil, vous l'enfilez, c'est parti. On continue dans la même mouvance avec cette combinaison. Ouais. Superbe. Alors, combinaison. Superbe combinaison noire, très élégante, vraiment super sympa. Donc on a des jambes qui sont assez larges. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est les détails devant. Alors, vous mettez un petit t-shirt blanc, enfin un t-shirt d'une autre couleur que la combi, on voit vraiment bien les détails. Il y a une petite ceinture ici. On apprécie cette combinaison, elle est très simple, elle est très élégante, et c'est une combinaison que je vais pouvoir mettre au boulot, un peu partout, hein. Pour ces combinaisons, on a vraiment craqué dessus. Elles sont élégantes, super sympas et pas chères. Donc pour le coup, ma combi verte, à la base, elle était à 59,99€, hein, et je l'ai eu à 22,99€. Et donc du coup, pour la mienne, elle était à 45,99€. Et je l'ai eu à 12,99€. Donc, voilà, on espère que ce haul, il vous a vraiment plu. En tout cas, nous, on a pris plaisir à le faire. On espère vraiment que vous aussi, ça vous aura donné envie d'aller chez Mango Outlet. Oui. En plus, ils ont un rayon enfant, homme, et il y a aussi le rayon Violetta pour les grandes tailles. Et aussi, ce qu'il y a de bien, c'est pour toutes celles qui n'aiment pas surfer sur le net, il y a la possibilité d'aller à Mango Outlet au Quai des Marques, qui se trouve du côté de l'île Saint-Denis. Ouais, voilà, Quai des Marques, 93. Voilà, Quai des Marques, l'île Saint-Denis, voilà, dans le 93. Donc il y a un Mango Outlet, hein, pour toutes celles qui veulent acheter des vêtements en dehors d'internet. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, parce que nous, on adore vous lire. Voilà, on adore vous lire. Si vous avez des looks que vous aimeriez voir, des suggestions, eh bien n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Surtout, abonnez-vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.